Mon nom est Tiob, dit le père de la lignée, de la dynastie Unio, dont voici le blason. Ma devise, l'unification engendre le pouvoir. Pourquoi dis-je ma devise? Car je ne suis le fils de personne, je n'ai pas de parents, et considérez-moi comme une anomalie née de la volonté du Saint-Esprit. Je suis l'homme parfait et je n'ai aucun défaut, si ce n'est mon ego démesuré. Aujourd'hui, le 1er janvier 867, j'ai 17 ans et j'hérite des terres du comté de Rouen. Cela fait de moi un comte, et à plusieurs reprises d'ailleurs. Je suis comte de Rouen, d'Évreux, d'Alençon, de Lisieux, de Bayeux et d'Avranches. En tant que comte, je suis un vassal. Dans mon cas, vassal du duc Gosfrid de Neustrie, un petit duc qui possède bien moins de terres que moi. Il n'a que deux comtés, ceux de Sablé et du Maine. Ah, j'allais oublier, le comte Herluin II, un comté au nord de Rouen, un de mes rivaux qui n'est pas très puissant. Il faudra que je m'occupe de son cas un jour. Mes terres font partie du royaume de Francie occidentale, dirigé par le roi Charles II, dit le chauve. C'est un carolingien, il descend de la lignée de Charlemagne, mais n'a rien de sa grandeur. Son royaume s'est depuis longtemps divisé entre la Francie occidentale, la Lotharingie et la Francie orientale. Un joli gâchis. Tout ça à cause des problèmes de succession par partition. Chaque gamin doit avoir son morceau. Il faudrait vraiment que l'on arrive à passer à autre chose. Ça éviterait de longues périodes de guerre de succession et de querelles internes. Mais revenons-en à moi. Je suis un érudit, et je trouve nombre d'intérêts dans le savoir et la connaissance. Je vouerai une partie de ma vie à m'améliorer sans relâche. Mais d'abord, je dois trouver une épouse. Et il me faudra des descendants, pas beaucoup si possible. Ou alors des filles que je pourrais marier à des dirigeants étrangers ou de vieux riches afin d'étendre ma future dynastie. Bah quoi? Vous faites pas comme ça chez vous? Parmi les jeunes femmes prêtes à se marier, je jette mon dévolu sur la princesse Hildegarde de Francie occidentale. Elle a presque mon âge, 16 ans, est sociable, paresseuse et indulgente. Autant dire qu'elle saura faire bonne figure dans les réceptions officielles, mais ne tentera jamais de me renverser de quelque manière que ce soit, par pure flémardise. J'envoie ma demande au roi Charles II, qui accepte de me donner la main de sa fille. Mes nombreux talents pour beaucoup peser dans la balance. Il ne me reste plus maintenant qu'à consommer mon mariage et espérer de beaux et de forts enfants. Je dois voir sur le long terme. En parlant de long terme, j'ai fait aménager des champs et bâtir des fermes dans mes propriétés. Cela coûte beaucoup d'argent que de les construire, mais m'en rapportera plus tard grâce à l'imposition qui est mise en place. Un autre investissement à long terme, je disais. Comme mes futurs enfants. Un autre point qui sera important, c'est mon prestige. Je dois effectuer des actes reconnus par tous, et pour cela, rien de tel que des conquêtes de territoire. J'hésite un moment entre le comté de Léon à l'ouest de la Bretagne et le comté d'Eu. Dans le premier cas, je déclarerai une guerre sainte contre les dirigeants Azatruars, et le Jarl de Montaigu pourrait bien venir en aide. Je n'ai pas encore la puissance nécessaire pour me mesurer à ces deux Jarls, et mon choix se rabat très vite sur le comté d'Eu. Hélas, je n'ai aucun casus belli, et je ne peux conquérir leur territoire sans. C'est pourquoi je demande à mon évêque, Cléonos de Rouen, de s'occuper de ça. J'aime beaucoup la religion, surtout dans ce genre de cas. Certes, je dois faire un don important à l'église pour revendiquer ces terres, mais les dépenses seront bien amorties par un généreux don du pape Nicolas. 295 d'or. Tout ça parce que je pense bien aller à la messe le dimanche. C'est très généreux de votre part, mon pape. Bien sûr que ces dons vont m'aider à répandre la vraie foi en mes terres. En attendant d'avoir ma revendication sur le comté d'Eu, je m'occupe un peu des lois de mes terres. Diriger, c'est contrôler, et actuellement tous mes vassaux ont une liberté quasi totale. Je m'empresse de changer cela. Je fais promulguer, grâce à mon charisme inné, l'autorité de la couronne limitée. C'est un premier pas vers différentes lois de succession, mais également sur le contrôle de mes vassaux. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour l'instant ça ne pose aucun problème. Une bonne nouvelle arrive en ce début d'année 868. Ma femme, la princesse Hildegarde, m'apprend qu'elle porte notre enfant. Après plus d'un an de consommation de mariage sans retenue, nous aurons enfin un enfant. Si possible un héritier. Un grand et fort petit garçon. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, mon évêque me donne le 1er juin 868 une revendication bien que bancale, mais légitime sur le comté d'Eu. Si l'église approuve, alors Dieu approuve. Je peux maintenant réclamer mes terres auprès du comte d'Herluin II. Celui-ci refuse bien évidemment
Elle veut ses troupes, mais je fais de même et je vais à sa rencontre. Nous combattons à la bataille 2 et je gagne facilement avec très peu de pertes. Hélas, nous n'avons pas réussi à capturer le comte et devons faire le siège de la ville qui durera plusieurs mois. Pendant ce siège, Hildegarde mit au monde notre premier enfant. Il s'agit là d'un garçon. Nous l'appelons Damien. Mon héritier, j'en suis tellement fier. Puissiez-vous devenir fort et sage, mon fils. Je m'occuperai de lui avec le plus grand soin. Qu'y a-t-il? Une partie de chasse? Mais prenez cet enfant, très cher. Je m'en vais chassoyer. Une chasse fructueuse qui m'a permis d'en apprendre plus sur mon duc. En effet, c'est un incapable, mais apparemment très chanceux à voir comme il a réussi à tuer la bête que nous chassions. Il faut vraiment que je mette en place un plan pour le remplacer. Mais avant ça, je dois être reconnu par tous. Et surtout par nos voisins de l'Ouest. En raison d'un langage pas très gentil, nous interrompons ce programme pour vous montrer notre amour envers vous, voisins bretons. Ainsi, voici votre drapeau et un peu de musique bretonne. Ne nous en voulez pas pour les blagues qui vont suivre. Je vous souhaite un bon visionnage. Il s'agit là d'un misérable petit royaume qui parle un langage appelé le Brittonie et qui est à moitié colonisé par les barbares. Ils se font appeler les Bretons. Nous avons toujours eu des relations bancales avec eux. Et surtout concernant un bout de pierre près des côtes du fleuve du Couesnon. Toujours est-il que j'ai fait revendiquer par mon évêque les terres de Rennes, que nous prenons facilement. Ils sont plus faibles que des nouveau-nés estropiés. Ils ne sont pas dignes d'être nos adversaires. En plus, en arrivant, j'ai voulu repartir avec un peu de blé pour refaire les réserves de mon armée. Et figurez-vous qu'ils n'en ont pas, enfin. Ils appellent ça du blé noir, et ils font des galettes avec. Quelles étranges coutumes. Apportons-leur la vraie civilisation. J'ordonne immédiatement à mon évêque de créer de nouveaux casus belli pour revendiquer le reste de la Bretagne. En attendant, je fais les préparatifs nécessaires pour m'emparer du comté de Léon au nord-ouest de la Bretagne. Ils sont indépendants et encore plus barbares que les Bretons, c'est dire. Mais ils vont sûrement être aidés par le comte de Montaigu au sud de la Bretagne. 1700 troupes, quand ils en ont plus de 4000, ça va être difficile. Mais pas impossible. La Francie et tout le monde saura de quel bois se chauffent les Normands.